Well, you should just like one leg coming to the other. Super. Meilleure organisation. Rendez-vous jeudi. Ah oui. Rendez-vous jeudi. À la même place. Ouais, même devant. Là, c'est l'entraînement. J'ai une si mauvaise tête que ça. Allez, Johnny. Allez, Johnny, allez. Tous les quotas du triathlon, voilà, tous les quotas du triathlon, tout ce qui se passe dans le monde qui maille, et voilà, vous posez des vraies questions du côté de triathlon. Rodolphe, bonjour, bienvenue, d'être dans la même montée, dans la même course que Jeannie Longo. Mais c'est une sensation aussi. Si jamais on trouve une équipe, Jeannie, si on trouve une nageuse, une coureuse à pied. J'ai ma copine, j'ai ma copine de toujours qui me dit non parce qu'elle a toujours fait deuxième derrière moi. Tout simplement, qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui? Bah, un petit effort. Une montée de temps en temps, j'en fais une l'été. J'en ai pas fait encore jusqu'à présent. Alors comment ça s'est passé? Je dirais moyen parce que j'avais une douleur dans le sommet de la fesse là, dû à des travaux de jardinage. Qu'est-ce que ça représente pour vous la montée de l'Alpe d'Huez? Quand on dit l'Alpe d'Huez, vous pensez à quoi pour... Oh, pour moi l'Alpe d'Huez c'est le ski. C'est les amis, c'est l'hiver ici. Voilà. C'est l'effort quand même aussi, c'est plein d'histoires, plein de souvenirs. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que quand il y a l'Alpe d'Huez, il y a beaucoup trop de monde pour moi. Généralement, je viens avant ou après. L'Alpe d'Huez, c'est en fait. Pardon. Hein,
L'Alpe d'Huez, j'ai quand même fait quelques étapes ici, parce qu'avant nous avions le tour féminin, et j'ai fait des arrivées ici à l'Alpe d'Huez, donc c'est vrai que ça me rappelle des bons souvenirs. L'Alpe d'Huez, plutôt l'hiver ou plutôt l'été? Bon, moi, la montagne, c'est les deux. Hein. Je trouve ça magnifique l'été, il y a des balades et tout, c'est beau, la nature, les fleurs de montagne, j'adore les fleurs sauvages. Et puis sinon, bah, c'est l'hiver, parce que c'est les beaux skis, quoi. C'est le grand ski.